Peace. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Google a rajouté l'application Miome pour commander les Yeelight à la voix, donc grâce au serveur chinois. Donc moi-même, je suis étonné. Donc je vous montre, là j'ai le switch. Donc je fais un clic, j'allume ma lampe. Je fais un clic, j'éteins ma lampe. Mais je peux le faire également à la voix. Donc je vais vous mettre mon téléphone. Allume la lampe du bureau. Donc, je vais vous mettre le son du téléphone. Éteins la lampe du bureau. Donc, oui, je ne vous ai pas mis le son, mais bon, vous avez compris. Donc, c'est très simple. Vous allez dans votre home donc de Google. Vous voyez, ils ont rajouté l'application Mi Home ici. J'ai 10 appareils. Donc, j'ai 10 lampes Yeelight. Donc, même les bandeaux LED et tout ça sont compatibles. J'ai le Yeelight Action. J'avais connecté deux appareils que je connectais à la voix. Maintenant, je peux dicter à la voix tous les appareils grâce à ça. Donc, maintenant, le Yeelight Action, l'application Yeelight ne sert plus à grand chose, puisque maintenant sur le serveur chinois, on peut commander. On peut commander ces lampes. Donc bien sûr, les Yeelight, pas encore les Philips, pas encore rajouté au niveau des Philips pour l'instant. Je pense que Philips va le garder à cause de sa marque Philips Hue. Donc voilà. Donc vous trouvez bien sûr dans les services. Donc vous faites rajouter. Et vous trouvez dans les applications Mi Home. Moi, je l'ai rajouté. J'ai 10 lampes. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. À la prochaine. Abonnez-vous.